Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de GTA Vice City. La dernière fois on avait fait pas mal de missions dont une que j'avais fail, qu'on avait refait par la suite, qui était ici chez les Haïtiens. Donc on va tout de suite enchaîner avec la mama poulet, la tata poulet plutôt. I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. My boys can war with them Cuban boys, but no guns. But the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one sees you, no one hears you. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tied to my apron strings. Okay, Auntie. Okay, on va faire le sniper. 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 Ok, donc il faut monter sur le toit. Donc, je suppose que c'est par ici. Putain, hey, je suis trop fort. Hein. Bingo. Bingo. Par contre, le fusil il est un peu pourra. Allez, on va tuer les Cubans. Raté. Raté. Tué. Ça met 30 ans à recharger. Putain, allez, 3 ans. Ouais, en plus, si je rate, ça va pas le faire. Ouais, mais s'il se met devant aussi ce gros con. Ah, enfin. Putain, c'était chaud. Hein. Bon, on a réussi après 3 essais. Bon, ça va, les Haïtiens, c'est fini. Il n'y a plus de mission pour eux. Du moins pour l'instant. Donc, on va enchaîner avec les Cubains. Je pense que, vu qu'on a fait les Haïtiens, les Cubains, ils vont nous vouloir qu'on se venge. Ça, on aura fait les deux clans. Et après on fera les bikers. Et
crois que les appels téléphoniques en fait ça compte pas du tout pour les missions. Donc autant ne pas les faire. Par contre je crois qu'ils m'en veulent maintenant les Cubains. Vaudou. Ouh, hey lady, you know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. He's so gross. Loser. Prick. Hey, baby. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the ladies. So not funny. Some goat in a skirt. Tommy. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Humberto. What about you? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. Que Pepe. This comes close. Let's go, Pepe. Faut aller où, Pepe, là? Faut faire quoi, là? Faut pas une voiture à 4 places. Non. Je crois que c'est ça, hein. Je me rappelle la mission. Une voiture 4 places, donc ça, on va le faire. Il faut faire quoi là? Il faut aller chez les Haïtiens, non, je crois. Excusez-moi, hein, je lis le briefing. P. Phil au nord dans Little Haiti, fauche une bagnole. Vaudou. Ah, ok. Ok. Ok, ok. Il faut une vaudou en fait. Bon, bah, eh. Pas compliqué, hein. La princesse. On va pas faire compliqué. C'est exactement où on peut faucher une voiture des Haïtiens. Une Bordeaux. Out of my way. Espérant qu'elle est toujours là. Voilà. Oye, let's go find our muchachos. Allez, Pepe. Rico. Les autres se coupent. Whoa, man, you drive like a crazy bitch. Shut up, motherfucker. Hola, amigos. Oye, the song. Hola, ese. Amigo. Bueno, Haitian putas, muerte. Vamos, vamos indeed. Hello, my compadres. Marqué, mais amigos, alors que c'est compadre. On aurait pu très bien laisser la traduction compadre. Que... Parce qu'il me semblait bien avoir déjà attaqué cet endroit. Et là on fait, ouais, un beau de 3. On met le cheval de 3. Hello. Tu vas mourir. Il y a un mec sur toi. Il y a un mec là, il y a deux mecs là. Je crois que j'en ai renversé, ça fait gaffe. Going to plant the bomb. Cover me. I don't want any trouble, man. Okay. Ça va pas du tout. Hop. Respond to a 10-19.
Ah, je me tire même pas dessus. Direction mort. Voilà. Vite, vite, vite. Avant que ça pète. Dépêche-toi, Mouloud. Putain, je suis coincé. Putain, 20. Vite, vite, vite. Et on se casse. Là, il n'y a même pas à réfléchir. On prend même pas de bagnole. On y va en courant. Ici, on... Oh, touché. Décidément, il faut à chaque fois que dans un let's play, dans un épisode, il faut à chaque fois que je me fail. Bon, par contre, là, comment je fais pour sortir? C'est bien gentil, mais... J'ai pas cru, non. Butez-moi ces cons. Tu lèves les bras, le mec. Ah, par là, enfin. Non, moi, Cassie. Ah non, mais il y a le flic, c'est super. Il y a pas un escalier. Bon bah tant pis, hein. Hop. On va récupérer leur ambulance. Bon, bah on est reparti pour faire la mission. Pour l'instant on a fait qu'une mission. Celle des Haïtiens. Bon pépé, tu fais pas tout foirer cette fois. Je crois qu'il faut reprendre une bagnole de vaudou hein, pour sortir du parking, enfin du parking. Alors on l'a déjà vu. Machette. Merde, il y a les flics. 22, voilà les flics. On se cache. Oui, j'ai laissé pépé derrière, mais... Quand t'as des... les keufs derrière toi, il vaut mieux courir. Ah bah là il y en a une de vos deux. Et je crois que c'est facepain en plus. Ils en planquent une. Putain par contre. Allez pépé, dépêche-toi. Dépêche-toi pépé, putain. Pépé, va mort pépé. Va nous faire repérer. Je sais qu'il y a une étoile de flic. Ouh, quelle est l'étoile de keuf? Elle est là. Hop. Normalement, il n'y a plus de bagnole de flics qui vont nous faire chier. Wow, man, you drive like a crazy bitch. Hola, amigos. Oye, the summit is around the back, amigo. Bueno, heis en putas, muerte. Vamos. Vamos, si vamos. Saludos, my compadres. Saludos, my compadres. Là, on apprend l'espagnol. No, bon. Nice pizzas here. On va pas fail cette fois. Moi j'ai perdu pas mal de... Ok, in you go. Donc, on reprend les bagnoles une fois qu'on a posé les bombes. Et je pense qu'il faut qu'on nettoie la zone avant de poser la première bombe. Sinon il y a les... Il y a une peur qui s'enclenche. Et là, c'est un peu la dèche. Puis on va le faire bien. Hop. En marche arrière, on va se garer. Allez, on va éviter.
merde, haïtienne merde. Voilà. On nettoie tout. Donc, pas de mauvaise surprise. Voilà, et on va commencer par ce vidéo. Allez hop, c'est parti, on a 45 secondes. Pas une de plus. Hop. Run! Hop. Out of my way, man. Allez, dépêche-toi, Pépé. Dépêche-toi. Dépêche-toi, fais pas le con. Fais pas le con, Pépé. Et on se casse. Ouvrez, bande de cons. Voilà. Pépé est mort, c'est pas la bonne cause. Non, il est pas mort. Ça s'appelle un beau bug. Bon, ah non, il s'est pépé. Bon, je suppose que là, le portail est ouvert. Ouais. Donc les cubains, ils vont commencer à me casser les couronnes. Bon, bah je couperai les morceaux où je fail. Ça, on fera un épisode assez court. Et surtout, ça va permettre d'enchaîner l'émission. J'ai la voix qui parle un peu en cacahuète. Donc on va enchaîner l'émission, donc on va faire les bikers. L'émission des bikers, puis je vais vous laisser là pour cet épisode 11. L'objectif étant de faire à peu près 4 épisodes par jour. Enfin par jour, moi aujourd'hui. Pour vraiment progresser dans l'émission. Faire un peu comme Need for Speed, aller le plus loin possible. En un temps minimum. Histoire de vraiment rattraper mon retard de ces 4-5 derniers mois. Et surtout pour une fois finir les deux l'esprit quoi. Parce que ça traîne en longueur et j'aime pas ça. Téléphone. Tommy, Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. It's incredible, Tommy. Incredible. No wimps, Tommy. Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us. You're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Okay. Maintenant, on est un Cubain de souche. Where's Baker? Where's Baker? The copyright. I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? Tommy fucking Vercetti. You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles the bike. Ah, les prémices de Lost of Danny. De GTA 4. Damn, buddy, you look a hot dish. Alors, il va falloir conduire en bande. Non, c'est une course, ok. Ok. Ok, bah je vais vous fumer les mecs. À moins que vous faites des coups de pute comme ça. Dans ce cas là bah, c'est des guns, non je rigole. Je suppose que si on en tue un, la mission est échouée. Allez, on va les rattraper. Oh putain. Bon, ça fera 3 missions d'affilée que j'échoue.
décidément, que ce soit sur Need for Speed, GTA, même... Ouais, ok. En fait, ça freine pas CB quand même. Oh, il est fort le mec, il a fait un salto sans tomber. Vous avez vu ou pas? Je pourrais faire un petit retour arrière sur la VOD. Enfin, sur la vidéo. Le mec, il a fait un wheeling, enfin un salto même. Bon, par contre, les CP qui passent pas, ça c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. Allez hop. Ah, c'est légal, c'est tout à fait légal ce que je viens de faire. On est dans une course de rue, mon gars. Street race. Y'a pas de... Y'a pas de contraintes. Sauf peut-être tirer. Le problème, c'est que cette moto-là, elle freine pas du tout. Bon, bah, je pense qu'on a fini. On revient à l'arrivée. Et voilà, 1040, qui peut faire mieux? Bon, puis comme je suis fait un mec sympa, on enchaîne. Allez, une autre mission, juste pour vous et moi. Got you again. Hey, Rossetti, Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right? It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Right. Ah, je m'en souviens. Que je fasse quoi là? Qu'en mettre? Ah, faut que je joue de la voix, ça. Bon bah. Si c'est pour foutre de la voix. Ouais, mais si je me tue en même temps, ça va pas le faire non plus. Ça fait que je vais me prendre des balles dans le cul. Je vais prendre une petite bécane les mecs, désolé. Là c'est pas vraiment le lieu idéal pour foutre le bordel. Je vais tirer derrière. Okay. Ok. Alors par contre là, ça c'était joli. Et je vais vite courir. Je crois que le truc en U là c'est un hôpital. Même pas non. Run, motherfucker, run. Foute le bordel. Et évidemment, j'ai encore les figues au cul. Bon bah moi je vais vous laisser là. On a fait quand même 3 missions. Ce qui est un peu le quota pour un épisode. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Diablo. Salut.